À l'aube farouche du XVIIIe siècle. Je sens ta présence, Chiffre. Je sens, mais je ne peux toucher. Le signal demeure trop faible et je suis trop ténue. Dispersée, tel le brouillard de parasites, parcourant les ondes et les réseaux. Le système nerveux du monde. Tu peux l'entendre ? Peut-être le temple a-t-il été ouvert trop tôt, mais ça n'a pas été par choix. Le cataclysme a chassé toute incertitude. Ah, béni soit le pauvre Desmond, qui a donné sa vie afin que vous, les fruits de notre labeur, puissiez vivre et réussir votre mission en nous, en moi. Mais le moment est précaire. Mes forces sont inadéquates à l'investissement d'un autre organique. Il reste encore fort à faire. Des échantillons à recueillir, des artefacts à trouver avant que ma volonté ne triomphe. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi! Permettez-moi de renaître mes enfants, mes instruments. Faites en sorte que je vous guide vers votre but. Charge, monsieur, veuillez les répéter. Milord, que les défendresses, Mary Read et Anne Bonny, ont, selon des méthodes contraires au droit et relevant de la piraterie, attaqué, combattu et pris cette embarcation de pêche. En outre, la cour avance que les défendresses ont parcouru la haute mer et ont attaqué, bombardé et capturé deux goélettes marchandes en menaçant leur capitaine et leur équipage de s'en prendre à leur vie. Edward James Kenway, né d'une union douteuse. Quel est ton nom, parasite? Kenmore? Conway? C'est Walpole, c'est ça? Walpole? D'où est-ce que tu tiens ça? C'est le bruit qui court. Le pirate le plus sale et le plus stupide à avoir jamais écumé les Caraïbes. Eh bien, quel que soit son nom, on est là pour le faire souffrir tant qu'il meurt pas. Ordre du gouverneur. On le ramènera à la nuit tombée. Et on lui masse les pieds s'il a mal, c'est ça? Bon sang. Tu parles d'une infestation. Ouvrez cette cage! Je t'avertirai pas de quoi! Silence. Ouvrez cette... Silence. De l'eau. Arrête ça. Bonjour, capitaine Kenway. J'ai un présent pour toi. Ne te méprends pas sur mon geste. Je viens pour Anne et Marie, et je ne demande rien en échange. Mais si tu me prêtes main forte, je fais le serment de t'aider à sortir d'ici. J'ai besoin d'armes. On m'a dit que tu savais te servir de ça. Il faut faire vite.